Au-delà des colonnes d'Hercule se trouve une merveilleuse cité, riche et vertueuse. C'est la légendaire Atlantide, décrite par Platon 400 ans avant Jésus-Christ. Offerte à Poséidon quand les dieux se sont partagés la terre, il y régna avec Clito, une jeune mortelle et leurs enfants, dont l'aîné se prénomme Atlas. Mais au fil des générations, les rois s'éloignèrent des préceptes divins. Et après la splendeur, vint la décadence. Les descendants des premiers Atlantes se mirent alors à conquérir et à asservir les autres peuples. Athènes parvint à les stopper, et Zeus choisit de punir les Atlantes en submergeant Atlantis. Le cataclysme aurait eu lieu 9000 ans plus tôt que le récit fait par Platon. Un mythe venait de naître. Il est admis que le philosophe a inventé cette fable politique pour illustrer ses idées, mais le texte suscite curiosité et questionnement à partir de la Renaissance. Et depuis, de nombreux érudits et amateurs continuent de débattre et de chercher. On vit l'Atlantide dans les fonds marins de la planète entière, de l'Antarctique au pays du Nord, en passant par l'Amérique latine. Pourtant, Platon mentionne les colonnes d'Hercule qui pour certains symbolisent le passage entre la Sicile et la Tunisie. Ainsi, la Sardaigne, Chypre et la Crète firent l'objet de spéculations. Mais le plus communément admis, c'est qu'elle évoque les montagnes qui bordent le détroit de Gibraltar. Or, dans les années 2000, Jacques-Collin Girard, géologue et préhistorien, découvre dans le relief sous-marin du Cap Spartel une île qui pourrait correspondre. Mais n'attendez de moi aucun scoop, car si les éléments géologiques coïncident, les oppositions ne manquent pas. Les courants puissants et le sommet de l'île à 56 mètres de profondeur rendent les fouilles difficiles. Mystère à suivre donc. Si quelqu'un est en contact avec Platon, il faudrait vraiment lui poser la question.